think about your family and your close friends. How many of you have family or close friends with cancer or have experienced cancer? First generation in modern history is not going to be a solid answer to their parents. That's the Camille est restée 6 ans à l'école de Barjac et elle est tombée malade en juin 2005. J'ai eu une douleur qui m'a transpercée. Nous sommes à Barjac, une petite commune française au pied des Cévennes dont le maire a décidé de faire face, a décidé de réagir en faisant passer la cantine scolaire en bio. À Barjac, comme ailleurs, la population est confrontée aux angoisses contre la pollution industrielle, aux dangers de la pollution agrochimique. Ici commence un combat contre une logique qui pourrait devenir irréversible, un combat pour que demain nos enfants ne nous accusent pas. Moi, j'ai travaillé 10 ans en agriculture chimique et il y a des choses que j'aurais jamais mangées que je faisais, quoi. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous lui dites qu'on ne mange pas que les légumes et le fruit, on mange aussi la chimie qui est dedans, c'est ça? Ouais, c'est sûr que ça y est, il reste. Hein. Tu sais qu'en viticulture, en agriculture, on utilise plus de 30 000 composants. Donc j'étais voir un neurologue et en 2005 il m'a dit que j'avais un problème, mais il ne savait pas quoi. C'est lui qui manipule tout ce qui est produit. Il en manipule beaucoup. Il en fait pour les arbres, il en fait pour la vigne, il en fait pour les céréales. Quand il manipule les produits, bon, il les aspire, hein, il inhale. Hein. Il a des symptômes de... Saignement de nez. À chaque fois. Des saignements de nez. Oui, à chaque fois qu'il traite. J'affirme haut et fort que l'on peut produire autrement, durablement, des denrées alimentaires de haute qualité sanitaire, en quantité suffisante, avec des performances économiques bien supérieures aux méthodes industrielles, pour peu que l'on cesse de remplacer les paysans sur la terre par des molécules chimiques. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Le cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. À l'utilisation des produits de traitement, je me suis répondu que j'en étais consciente, parce que mon fils a donné le nom de ses noms, donc je ne sais pas. Alors, demain, ça nous a fait vraiment une bonne chose. Moi, en voyant, ça fait 23 ans que je suis infirmière, que l'on n'a jamais vu autant de gens cancéreux qui meurent de plus en plus jeunes,
d'enfants qui sont touchés par cette maladie aussi à tout niveau. L'enfance est aujourd'hui en danger. Le problème n'est plus aujourd'hui de dire si on a des preuves. Les preuves, elles existent. Le problème n'est plus de se poser la question. Il manque la volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit au rendez-vous. On s'était dit qu'on ne dirait pas, on ne prononcerait pas le mot cancer. Ça a été des moments très très forts, très douloureux. Mais elles s'accrochaient à tout. Et c'est cette force-là qu'ont les enfants. C'est... J'aurais jamais soupçonné. Et à la rencontre avec tous les enfants dans le service, c'est un service très difficile, un service fermé. On a donné un peu d'amour aux enfants qu'on croisait. Il y en a qui sont partis, qui n'ont pas pu, ou qu'on n'a pas pu sauver parce que trop malades, trop atteints.